On est avec Sylvain Roger. Sylvain, Vanni du Dollar n'a pas été revu vraiment en mode compétition depuis sa victoire des 2100 mètres. Elle s'est produite deux fois sur l'herbe. Comment avez-vous trouvé ses prestations sur cette piste verte? La première a été très bonne à Alençon, c'était très très bien. La jument a fini très très bien, on est 50 mètres dans le porte vert, mais elle avait fait une super ligne droite. Par contre, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle avait tout, elle était battue de bonheur, j'avais eu le gaz. Donc la jument a eu des petits problèmes pulmonaires, donc on est essayé de soigner ça. Et là, elle paraît beaucoup mieux, donc on va voir. Bon, c'est vraiment son truc, hein, les pistes plates, même si elle a gagné sur la grande piste au printemps, elle trouve un bel engagement, c'est pas une jument qui tire, elle peut venir brouiller les cartes. Ouais, voilà, oui, la jument elle a l'air d'être très bien. Donc là, elle avait couru deux fois ferré sur l'herbe, donc un peu bon, pas plus en préparation. Hein. Et comme on est à 50 mètres, j'ai pas voulu la déferrer. Donc, là, la jument, bah, elle est déferrée avec 4, elle est bien engagée en tête. Après, bon, elle est un peu comme Tiff, il lui faut absolument un parcours sur mesure pour s'exprimer au mieux. Bon, elle est peut-être un tout petit peu inférieure à Cliff en valeur pure tout de même. Ouais, surtout sur cette distance-là. Je pense qu'elle, quand même, un peu le bout du monde. C'est quand même plus uniquement un peu de vitesse. Par contre, faites plaisir à votre employé, Sylvain Dieudonné, qui sera partenaire de Vanille Dollar au départ de son premier groupe 2. Bah, voilà. J'espère que ça va lui faire plaisir. Et non, il l'a déjà amené, il l'a tenu, donc on va avoir des points. On peut l'avoir 4-5, ça vous surprendrait pas? Bon, ouais. Ouais, non. En préférence, je mettrais quand même plus Félix avant. Hein. Mais mes trois chevaux, ils sont compétitifs pour être dans le quintet, à mon avis.